que callan e peras acertos, gionos o lezu tirais volares. Alio geenda, zalos filómago, e dantol o loito, echron e forma, teon, l'histoire commence avec le marquis Gian Pietro Campana di Cavelli. Né en 1808, Campana est directeur du Mont de Piété de Rome. C'est un collectionneur acharné. Pendant plus de 20 ans, il accumule majolique, peinture, sarcophage, statue, vase grec. Ces vases proviennent surtout d'Étrurie. Les vases enfouis sont rarement intacts. Les tombes ont été pillées par des chercheurs de trésors ou par des archéologues maladroits. À l'époque, la mode est au camouflage. Les restaurateurs recollent les morceaux, comblent les lacunes avec du plâtre, parfois aussi à l'aide d'autres fragments retaillés. Le vase est ensuite repeint et les motifs complétés sans souci d'authenticité. En 1857, une inspection met en évidence un découvert énorme dans les comptes du Mont de Piété. Campana est condamné à la prison à vie. La peine est commuée en exil après une intervention de Napoléon III. La majeure partie de la collection est achetée par la France, 11 000 objets, dont 4 000 vases antiques. D'abord exposée au Palais de l'Industrie, la collection est transférée au Louvre en 1863. Une galerie porte aujourd'hui le nom de Campana. Le cratère d'Héraclès et Hanté porte le numéro G103. Il est composé d'une cinquantaine de fragments de tailles diverses. Avec la collection Campana, sont arrivées des caisses de Tesson. Rangées dans les sous-sols du Louvre, elles y restent plus de 80 ans. À partir de 1940, les milliers de fragments sont classés, répertoriés et confrontés à ceux d'autres collections. Un archéologue britannique, John Davidson Beasley, a travaillé sur des vases entiers et sur les fragments de nombreux musées. Il a mis au point une méthode d'analyse stylistique qui lui a permis d'identifier de nombreux peintres et en particulier l'auteur du cratère d'Héraclès et Hanté. Les réserves des musées continuent à être étudiées. De nouveaux fragments sont retrouvés, des échanges ont lieu, les anciens camouflages sont nettoyés. Des lacunes parfois comblées. Contrairement aux apparences, la section de céramique grecque n'est pas la plus calme des musées. En 1977, au cours du nettoyage de G103, on découvre qu'un défaut de cuisson rougeâtre dans le bas de la vasque a été camouflé. Quelque temps auparavant, G166, un cratère à volutes appartenant lui aussi à la collection Campana, est démonté. Il est composé de morceaux de plusieurs vases. Son pied d'époque, mais ne lui appartenant pas, est mis en réserve. Il porte une trace rougeâtre. Fin 1978, un archéologue américain fait le rapprochement avec la trace rougeâtre de G103. Le cratère d'Héraclès et Hanté retrouve son pied authentique. Aujourd'hui presque complet, le cratère a une hauteur de 45 cm, un diamètre de 55 cm et une capacité de 45 litres. L'extérieur est noir et rouge-orangé. Deux anses séparent les faces, décorées de scènes différentes et encadrées par des motifs ornementaux. L'intérieur, noir, porte des cercles concentriques rouges.
L'une des faces met en scène une compétition musicale. Trois éphèbes assis s'apprêtent à écouter un musicien qui gravit les deux marches d'une estrade. Le musicien est désigné par son nom, Polyclès. De la main droite, il relève un pan de sa longue tunique ionienne. De la main gauche, il tient une double flûte. Il est couronné de lauriers. Sur la base de l'estrade, une partie d'inscription, Bellas Kalos, Bellas est beau. Deux éphèbes lui font face. L'un est nommé Kephisodoros. L'inscription est rétrograde, c'est-à-dire écrite à l'envers, de droite à gauche. Elle part de la tête du personnage qu'elle désigne. L'éphèbe de gauche, à demi nu, est assis sur un tabouret à pieds minces tournés. Il a la main gauche appuyée sur une canne, la droite sur la hanche. Une inscription vante un éphèbe souvent cité à l'époque, Léagros Kalos, Léagros est beau. La compétition musicale est un thème fréquent sur les vases. Elle témoigne d'un mode de vie où la beauté est l'objet d'une recherche constante. L'autre face du cratère, la face principale, montre la lutte d'Héraclès contre le géant libyen Anté. Les deux lutteurs sont nus. Héraclès, identifié par son nom, représente l'idéal du héros civilisé, c'est-à-dire grec. Corps proportionné, petite boucle de cheveux bruns, barbe courte bien taillée. Anté est nommé par une inscription rétrograde. Corps gigantesque, volume énorme de la tête. Cheveux blonds hirsutes, moustache et barbe longue et fournie, sourcils épais. Tout désigne Anté comme un barbare, un homme étranger au monde grec. Héraclès entoure de son bras gauche le cou d'Anté, pendant que son bras droit, bloquant l'épaule du géant, l'immobilise en s'efforçant de le soulever au-dessus du sol. Anté suffoque. Son œil révulsé, sa bouche ouverte dans un râle, son bras qui gît à terre sans force et sa main qui s'entr'ouvre annoncent l'issue fatale du combat. À l'arrière-plan, trois femmes, peut-être la femme d'Anté et deux de ses sœurs, ou bien des nymphes, elle fuit avec des gestes d'épouvante. À gauche, les armes d'Héraclès, peau de lion, massue, carquois. Héraclès est le héros le plus populaire de la mythologie grecque. Il est, dès sa naissance, un être d'exception, mais il ne sait pas mesurer sa force. Pour expier le meurtre de ses propres enfants, il doit se mettre au service du roi d'Argos, Eurysthée. Débute alors le fameux cycle des grands travaux qu'illustre de nombreux peintres grecs. Héraclès combat des animaux ou des personnages monstrueux. Le lion de Némée, dont il gardera la peau comme vêtement. L'hydre de Lerne. Le sanglier d'Érymanthe, les oiseaux du lac Stymphale. Le géant à trois corps Gérion, le chien Cerbère. Une de ses aventures l'entraîne à la recherche des pommes d'or plantées par Héra, femme de Zeus, dans son jardin des Hespérides, près du mont Atlas. En chemin, Héraclès doit affronter le géant Anté. Anté contraignait les voyageurs à se mesurer à lui à la lutte. Il était invincible dès qu'il touchait la terre, sa mère. Héraclès le soulève donc et l'étouffe en le tenant éloigné du sol. C'est cet épisode que décrit le cratère. Pendant des siècles, les aventures d'Héraclès ou de son homologue latin Hercule sont l'occasion pour les peintres et les sculpteurs de développer leur savoir anatomique.
la lutte avec Hanté est un thème fréquent. Aujourd'hui encore, divers héros populaires empruntent nombre de leurs traits à Héraclès. Au-dessus des deux héros, dans un chapelet de lettres capitales, le peintre a laissé son nom. Euphronios et Gravesen. Euphronios a peint. La signature est intégrée à la composition. Elle révèle un peintre qui connaît l'alphabet, un lettré qui sait manier l'écrit. Sur une autre œuvre, le peintre a écrit « Euphronios a peint cette scène-là ». Le peintre a conscience de son talent, de son apport personnel à l'art. Dans les compositions d'Euphronios, des mots s'inscrivent, apportant une dimension sonore aux scènes représentées. Nom, poème, chant, louange, acclamation. Sur une amphore à colle peinte par Euphronios, le musicien déclame un vers de la poétesse Sappho. Je souffre et je désire. Euphronios a peut-être 15 ans lorsqu'il commence à peindre. Il travaille d'abord dans l'atelier du potier Chacridion. Ensuite, dans celui d'Euxytéos, une dizaine de vases sont signés Euphronios a peint. Le cratère du Louvre, les coupes de Munich, le cratère d'Arezzo, l'amphore et le psyctère du musée de l'Ermitage à Leningrad. Euphronios sur ces vases représente des thèmes alors traditionnels, comme les aventures d'Héraclès. Héraclès est le lion de Némée sur les fragments du Louvre, Dionysos et son cortège sur un cratère du Louvre, Héraclès et les Amazones sur le cratère d'Arezzo. Mais il traite librement d'autres thèmes mythologiques. La mort de Sarpédon sur le cratère de New York. Héraclès et Gérion sur le Kilix de Munich. Et il introduit souvent une scène quotidienne d'un palestre, d'entraînement militaire, le banquet. Vingt autres vases, presque tous des coupes, sont signés Euphronios et Poiesen. Euphronios a façonné de ses propres mains. Euphronios est peintre dans sa jeunesse et à l'âge mûr, et devient, semble-t-il, potier plus tard, peut-être vers 500. Une dédicace au nom d'Euphronios potier a été trouvée sur l'acropole d'Athènes, non loin de l'ancien quartier des potiers. Elle serait datée des années 480-470. Euphronios a donc entre 55 et 65 ans environ. Deux hypothèses. Une déficience progressive de la vue lui aurait interdit le travail minutieux de la peinture, ou bien il aurait fini par s'installer à son compte. Les potiers étaient propriétaires de leurs fonds. Les peintres n'étaient que leurs employés. Les ateliers athéniens proposent une céramique aux formes variées, correspondant à tous les usages de la vie quotidienne. Vase à transporter des liquides, amphore à panse, à colle, panathénaïque, péliqué, hydrie. Vase à contenir des liquides, stamnos, dinos, cratère à colonnette, à volute, en calice, en cloche, psyctère, vase à puiser et à verser, enokoé, olpé, kiatos, vase à boire, canta, skiphos, coupe, vase de toilette, aribal, alabastre, lécite, pyxide, vase rituel pour le mariage, vase pour la toilette mortuaire. Les pièces de céramique des ateliers athéniens partent vers l'Étrurie, la Grande Grèce, la Sicile, la Mer Noire. Certaines d'entre elles font l'objet de commandes particulières. On a découvert en Italie ou en Orient des séries provenant de mêmes ateliers. Ainsi, à Vulci, une tombe étrusque révèle six assiettes signées par le peintre Épictétos.
Des inscriptions sont parfois visibles sous le pied des vases. Il s'agit peut-être du prix des objets, de leur destination ou de leur contenu. Déjà à l'époque, les vases cassés ou fêlés sont recollés à l'aide d'agrafes en plomb ou en bronze. Sur le pied du cratère d'Héraclès et Hanté, on a découvert des trous témoignant d'une restauration antique. Lorsque Phronios réalise le cratère d'Héraclès et Hanté, il est âgé de 20 à 25 ans et travaille depuis 10 ans environ. 20 ans plus tôt, un peintre travaillant avec le potier Andokides a inventé la technique des figures rouges, qui peu à peu supplante celle des figures noires. Certains de ces vases mêlent les deux techniques. Auparavant, les peintres badigeonnaient les silhouettes d'une argile fine qui devenait noire et brillante à la cuisson. Quelques détails étaient ajoutés par incision et parfois du blanc et du rouge violacé. Vers 530, certains artistes inversent les couleurs. Les personnages apparaissent désormais en clair sur fond noir, ce qui permet aux peintres d'ajouter un grand nombre de détails. La technique de la poterie n'a guère varié au cours des siècles. Le potier, au moyen d'un tour mu à la main ou au pied, met en forme le corps du vase et fabrique séparément le pied et les anses de l'objet. Puis les différentes parties sont collées avec de l'argile plus liquide, la barbotine. Le vase subit ensuite une période de semi-séchage. Le peintre fait une esquisse avec du charbon de bois qui laisse parfois quelques traces d'incision. Ensuite, à l'aide d'un pinceau très fin ou peut-être d'une sorte de porte-plume à réservoir, il exécute les détails corporels. Il entoure le tout d'une couche d'argile brune. Pour les cheveux d'Héraclès, le peintre utilise la technique du relief en grenti. Enfin, il signe. Le dessin terminé, le vase est lustré avec un chiffon doux. Le potier l'introduit alors dans le four avec d'autres vases. Première phase, la température est portée à environ 900 degrés. Le vase devient rouge. Deuxième phase, évent fermé, le potier ajoute du bois vert ou des feuillages pour provoquer de la fumée. La température monte à environ 950 degrés. Une réaction chimique s'opère, le vase devient entièrement noir. Seules les parties peintes deviennent brillantes. Troisième phase, évent ouvert cette fois, la température s'abaisse à 875 degrés environ. L'oxygène transforme l'oxyde ferreux noir en oxyde ferrique rouge. La partie brillante demeure noire. C'est la dernière phase, la plus délicate. À la fin de la cuisson du cratère d'Héraclès et Hanté, la température a dû rester trop élevée. L'oxygène a pénétré la zone inférieure noire du cratère, la faisant virer au rouge. Cette trace rouge du pied se retrouve aussi à l'intérieur. Le noir occupe environ un tiers de la surface et l'orangé les deux autres tiers. Cette opposition entre le noir, bleuté, brillant, et le rouge orangé, clair et mat, crée une vive impression optique. Le fond noir induit une sorte de profondeur. Les personnages se détachent nettement, acquérant même du relief. Le cadre de la scène est marqué par les reliefs du support que soulignent deux bandeaux d'ornement. L'ornement permet de combler les vides, de rééquilibrer les masses,
de susciter un effet visuel global. Euphronios utilise des palmettes et des fleurs de lotus, entourées de vrilles ou de volutes. Le style d'Euphronios se distingue par un réalisme nouveau. Une incision de la première esquisse montre que le peintre a déplacé la main dentée pour accentuer l'impression de défaite. Des lignes denses, en relief, marquent les contours. Un trait dilué souligne les détails internes. Un rehaut rouge met en évidence les bandeaux des personnages, les bracelets. Le trait dépouillé rend l'esprit dramatique d'une scène mythologique ou la simplicité d'un geste quotidien. Les profils sont délicats, les fronts légèrement bombés, les yeux étroits. Ceux des héros sont bordés de cils. Les pupilles et les iris indiqués par deux cercles. Les cheveux sont traités en grainetis ou incisés. Les gestes sont gracieux, les doigts effilés, les ongles marqués. Les os des chevilles sont indiqués par trois traits. Les clavicules s'achèvent en forme de crochet. Les lavis ébauchent un modelé. Euphronios dessine, souvent au vernis délayé, les tendons, les lacis des muscles, les os saillants. Ces personnages prennent parfois des allures d'écorchés. Le dessin de l'abdomen suppose une connaissance du corps dépouillé de sa peau. Euphronios est à l'origine d'une tradition iconographique qui s'est enrichie peu à peu. Le peintre de Brigos organisera des scènes plus mouvementées. Le peintre des Niobides travaillera le plan et la profondeur et représentera l'œil en vrai profil. Peut-être y a-t-il eu compétition et influence réciproque entre la peinture sur céramique et la grande peinture grecque. Mais fort peu de traces subsistent de cette autre peinture. Quelques rares fragments picturaux suggèrent que le cratère d'Héraclès est hanté, a appartenu à un monde aux décors bariolés, où statues, colonnes peintes, fresques et tableaux abondaient. Le cratère est au centre du symposium, le banquet, qui suit les repas. Chez les Grecs anciens, la vendange était tardive. Le raisin était chargé en sucre et donnait au vin une teneur élevée en alcool. Le vin devait être coupé avec de l'eau. C'est dans le cratère que s'effectue le mélange idéal. Comme pour la musique, on recherche l'harmonie. Autour du cratère ou du dinos, on circule. Le mélange effectué, les convives sont servis par les esclaves ou bien se servent eux-mêmes. Ils parlent, chantent, déclament, pratiquent des jeux. Parfois des jeux d'équilibre sur des outres. Mais surtout des jeux d'adresse, où l'on maintient de diverses manières des coupes
et des amphores. Au jeu du Kotab, on projette une giclée de vin sur une cible. On joue après avoir dédié son coup à une personne aimée. Sur un psychtère, Euphronios fait parler une courtisane appelée Smikra, peut-être une allusion ironique à un autre peintre, son ami Smikros. Pour toi, Léa Gross, je lance cette rasade. Les milliers de vases reconstitués aujourd'hui livrent d'innombrables détails sur la vie quotidienne des Grecs de l'Antiquité. Contemporains de Pisistrate, de Pindare, de Sophocle, d'Eschyle et d'Hérodote, Euphronios est l'un des principaux artisans du passage des figures noires aux figures rouges, passage qui s'est effectué rapidement en une quinzaine d'années. Euphronios et trois autres peintres, Phintias, Euthymides et Smikros, constituent une sorte d'avant-garde artistique, le groupe des pionniers de la figure rouge. Les scénettes qu'ils décrivent laissent supposer la participation de ces peintres aux banquets et aux plaisirs de l'aristocratie. Sur leurs vases, ils rivalisent dans la recherche de l'expression. Ils s'interpellent souvent. Euthymides, évoquant le mouvement de ses personnages, écrit sur un vase « comme jamais Euphronios ». Euphronios, sur un cratère en calice aujourd'hui conservé à Munich, a représenté Smikros au milieu d'un banquet. Smikros, de son côté, sur un psychtère du musée Getty à Malibu, a représenté au milieu de diverses scènes de séduction un personnage debout. Une inscription nous apprend qu'il s'agit d'Euphronios en personne. Et le peintre y caresse les Phèbes tant de fois vantées sur ses propres vases et sur ceux de ses rivaux, le beau Léagros.